Mesdames, Messieurs, chers collègues, aussi surprenant que cela puisse paraître, la chaire d'histoire du livre n'appartient pas au petit groupe des chaires de fondation de l'école. Son histoire en est longue et complexe. Vallée de Viriville en avait souhaité la création en juin 1846 sous le titre « Classement des bibliothèques et des archives ». L'ordonnance fondatrice du 31 décembre de la même année ne donna pas suite à ce souhait. Viriville fut néanmoins choisi l'année suivante, mais comme répétiteur. Il accéda au titre de professeur adjoint en 1854, puis professeur de seconde classe en 1866. Pour autant qu'on puisse le savoir, les connaissances exigées au moment des examens restaient dans la limite de l'aménité. La seule question en matière de bibliographie entre 1848 et 1853 posé lors d'un oral de deuxième année, fut « Qu'est-ce que le format d'un livre imprimé ?» À la fin du Second Empire, plus exactement en 1869, dans un contexte qui se marque par une forte rivalité entre la bibliothèque impériale et les archives, et par l'intention de distinguer les spécificités de chacune des deux institutions, Anatole de Montaiglon, grand historien de l'art, se voit confier, sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école, que préside alors Nathalie de Wailly, la succession de Viriville sous l'intitulé suivant « Bibliographie et classement des bibliothèques et des archives ». Il enseignera les questions touchant aux bibliothèques en première année et celles relatives aux archives en deuxième année. À la même époque, le métier de conservateur des bibliothèques semble peu prisé par les chartistes. Madame Versagnassi, dans son étude sur l'histoire du livre à l'école, sous la direction de Raphaël Bouin qui est parmi nous, en compte 15 conservateurs chartistes sur 222. Pourtant, l'antiquariat en matière de livres anciens semble faire intimement partie de la personnalité chartiste, si on en juge par certains témoignages, comme celui d'Anatole France. C'est en raison de ce déficit qu'est créé, le 23 août 1879, un examen professionnel pour l'obtention du certificat d'aptitude de fonction de bibliothécaire. L'école est chargée d'y préparer. En 1890, Montaiglon se voit affecter l'aide de Julien Avé. Le jeune chartiste est issu d'un milieu exceptionnel. Son père, qui vient de mourir, est Ernest Avé, ancien professeur de littérature à l'école polytechnique. Son frère aîné, Louis Avé, éminent latiniste et professeur au Collège de France, membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme et ardemment dreyfusard. Son beau-père, Thomas Alban de Saint-Georges, a été régent de la Banque de France. La mort prématurée de Julien Avé à 40 ans en 1893 laisse Montaiglon poursuivre seul son enseignement jusqu'à ce que lui-même décède en 1895. Le contexte des premières années du XXe siècle est marqué par le souci de développer des bibliothèques publiques dans le but de répondre aux besoins de l'instruction publique tels qu'ils avaient été caractérisés par Jules Ferry et Paul Bert. La salle ovale construite par Jean-Louis Pascal à l'instigation de Léopold Delisle donne un exemple parmi d'autres de ce projet éducatif et culturel puisque ça devait être une bibliothèque de lecture publique. En 1906 est créée l'Association des bibliothécaires français par Eugène Morel et par Charles Sustran, apôtre de la classification décimale, du prêt et de l'accès libre au rayonnage. Charles Mortet, successeur de Montaiglon à la chaire de bibliographie et services des bibliothèques, en est élu président. Comme Avé, Mortet est issu d'une famille exceptionnelle. Son frère cadet, Victor, est chartiste lui aussi. Et surtout, il est entré par mariage dans la grande famille des Passy, parmi lesquels, entre autres, son beau-père, le pacifiste Frédéric Passy, titulaire en 1901 du premier prix Nobel de la paix, et le cousin germain de ce dernier, Louis Passy, chartiste de la promotion d'entrée 1849, secrétaire d'État aux finances pendant la République des Ducs et secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture. En 1895, lors de l'élection de Mortet à l'école, l'intitulé de la chaire avait distingué pour la première fois les archives et les bibliothèques. Désormais, l'archivistique vivra un destin séparé pendant une quarantaine d'années. Charles Mortet sera le premier à intituler « Histoire du livre, une partie de son cours ». Comme il l'avait articulé en 5 parties chronologiques. Manuscrits, incunables, 16e-18e siècle, 19e siècle, reliure. C'est imparable.
Mais l'ensemble était clairement orienté vers le programme du CAFB tel qu'il avait été défini en 1893. Il est bientôt aidé par René Poupardin, secrétaire de l'école. Il lui cède la place en 1912. À la mort de Mortet en 1923, viendront Camille Coudert et en 1933 Charles Samaran, à nouveau sur une chaire de bibliographie et archives de l'histoire de France, de même Pierre Marot en 1941. Après 1923, affirme Coralie Verseniassi dans son remarquable diplôme « Histoire de la formation du bibliothécaire, la chaire de bibliographie à l'école Deschartes », l'école n'aurait pas su s'adapter aux exigences professionnelles de la conservation des bibliothèques. On l'aurait cru volontiers si son étude ne s'était pas arrêtée précisément à l'année 1923, date du décès de Mortet, se dispensant ainsi d'apporter des justificatifs à ses dires. Depuis cette date, un siècle s'est quasiment écoulé. Au cours de la période, les chartistes et l'école se sont bien gardés de tomber dans l'opposition factice et stérile de la conservation patrimoniale et de la lecture publique. Des exemples abondent. À la fin de l'entre-deux-guerres, le bibliothécaire Henri Vandel reprend dans le département de la Marne l'idée du bibliobus dont Henri Philippaki avait été plus ou moins l'auteur. Ainsi naîtrait le concept de bibliothèque départementale de près. Il fallut attendre le ministère de Jacques Lang pour que s'affirmât définitivement le projet d'en installer une dans chaque département. Comme conservateur régional des monuments historiques en Rhône-Alpes, je laissais, pardon de me parler de moi-même, en 1983 à mon successeur Marc Botland, de la même promotion que la mienne, le soin de poursuivre la construction de 6 d'entre elles. C'est dire si le pays était loin d'être équipé. Il faudra évidemment citer l'immense personnalité d'Henri-Jean Martin, véritable fondateur de la discipline de l'histoire du livre, mais aussi père du plus grand projet de bibliothèque de lecture publique avant la BPI, la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, soit un programme de 27 000 mètres carrés. C'est sur l'arrière-plan des avancées scientifiques et des nécessités du service public de la culture que va se construire, madame, votre enseignement. En n'en négligeant aucun des attendus, vous confirmerez la place des anciens élèves de l'école dans un domaine complexe, à la fois porteur des valeurs des anciens mauristes et de l'encyclopédie, souvent de l'instruction publique, de la science patrimoniale et de l'action éducative et culturelle. Je vous laisse la parole. Je vous remercie, monsieur le directeur, et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les membres du conseil scientifique qui m'ont fait le redoutable honneur de m'élire à la chaire d'histoire du livre à l'époque moderne et de bibliographie. Cette élection constitue, pour l'école comme pour moi, à la fois un pari et un défi. Un pari que de confier cette chaire à quelqu'un qui, littéraire de formation, a appris à porter un autre regard sur le livre et son histoire. Un défi, à la fois intimidant et stimulant, que d'espérer que ce regard puisse nourrir, enrichir, approfondir la vocation historique de l'école, avec autant de bonheur qu'Elisabeth Parrimé, elle aussi agrégée de lettres et qui a occupé la chaire d'histoire du livre et des médias contemporains de 1990 à 2014. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers parents, chers amis, c'est donc à la croisée des chemins de la littérature et de l'histoire que je prends la parole aujourd'hui. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans la maison de mes parents, il y en avait partout. Kant et Lacan, San Antonio et Hegel, Freud et Tintin. Il y avait le rituel de la lecture du soir, celui de la bibliothèque municipale le samedi. Les livres furent l'espace des premières transgressions et des premières frustrations lorsqu'à 15 ans, je voulus déchiffrer les passages réputés osés des bijoux indiscrets. Saepe turgentem spumentemque admovitori priapum. Je poursuis pas. Loin de soupirer, la chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres, je cherchais à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion, d'ivresse qui m'avaient paru si beaux dans les livres, et j'éprouvais un bien étrange pouvoir, celui de faire surgir des personnages de mes lectures. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin, je délivre de leurs livres des héros ou des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent, linge sale et chagrin. Ils sortaient du livre, j'y entrais. Si je pousse la porte d'un livre de Belle, j'entre en Stendhal comme je rejoindrais une maison de vacances.
le souci tombe des épaules, la nécessité se met en congé, le poids du monde s'allège. Vous l'aurez compris, ce propos, quoique un peu mien, est en fait un tissu nouveau de citations révolues. Sartre, Flaubert, Pérec, Mallarmé, Juliette, Gracq. Et ce texte se donne d'emblée, pour ce qu'il ne cessera d'être tout au long de ce cours, un intertexte. Mais lorsque Roland Barthes, qui aurait eu 100 ans aujourd'hui même, à 4 jours près, s'il n'avait été victime le 26 mars 1980 d'un accident ou d'un assassinat, comme l'imagine Laurent Binet devant le Collège de France, lorsque Roland Barthes donc cherche ainsi en 1974 à définir le texte dans un article célèbre de l'Encyclopédia Universalis, dont vous trouverez quelques extraits en citation 1, c'est pour le poser comme un concept épistémologique nouveau, où la signifiance, entendue comme un travail signifiant infini, se substitue à la signification, et où l'énonciation importe plus que l'énoncé. De façon frappante, Barthes y évacue totalement le livre. Pour lui, sans doute, c'est dans un univers parallèle que se joue, en cette même année 1974, la publication des métiers du livre à Paris au XVIe siècle, issue de la thèse d'École des Chartes soutenue par Annie Charron, à qui je succède et dont je salue la présence aujourd'hui, devant un jury composé de Henri-Jean Martin, qui professait depuis peu l'histoire du livre, et de Raymond Lebègue, qui décidèrent d'attribuer, pour cette thèse exceptionnelle, une note exceptionnelle. Alors que la publication de l'apparition du livre en 1958 marque aujourd'hui à nos yeux le début d'une approche profondément renouvelée de l'histoire du livre, Barthes n'accorde à celui-ci qu'une mention entre parenthèses, projetant ses caractéristiques sur ce qu'il rejette, à savoir la conception classique où le texte serait identifiable à l'œuvre, laquelle est, je cite, « un objet fini, computable, qui peut occuper un espace physique, prendre place par exemple sur les rayons d'une bibliothèque, et qui est, je cite encore, « défini en termes hétérogènes au langage, allant du format du livre aux déterminations socio-historiques qui ont produit ce livre ». Le texte nouveau, tel que Barthes le définit et le rêve, est résolument détaché du livre. Il reste, je cite, « de part en part homogène au langage ». Il n'est que langage et ne peut exister qu'à travers un autre langage. Se détournant du texte voile, la théorie du texte entend, je cite encore, percevoir le tissu dans sa texture, dans l'entrelac des codes, des formules, des signifiants, au sein duquel le sujet se place et se défait, telle une araignée qui se dissoudrait elle-même dans sa toile. Et, dernière citation, à la métaphore de la filiation, du développement organique, elle préfère la métaphore du réseau, de l'intertexte, d'un champ surdéterminé, pluriel. À relire ces phrases aujourd'hui, on a l'impression que le texte conçu par Barthes est déjà celui que tisse aujourd'hui le web, la toile, au sein d'Internet, interconnexion de réseau, le web constituant un ensemble de pages qui, pour être accessible, repose sur le protocole HTTP, autrement dit sur les techniques de l'hypertexte. Pourtant, si l'outil ARPANET qui allait devenir Internet existait déjà au moment où Barthes écrivait ses lignes, il n'est devenu accessible à un plus large public que 10 ans après sa mort. Sa déclaration repose alors sur un déni. Pour devenir accessible au lecteur, le texte a besoin d'un support qui, jusqu'il y a peu, a le plus souvent été le livre. Mais reconnaissons qu'un tel déni se met inconsciemment en place dès que j'ouvre le livre. Dès lors que débute l'expérience de la lecture, le volume sur lequel se porte mon regard n'est plus pour moi qu'une vague présence, quasiment immatérielle et comme suspendue par le texte. Sa présence en tant qu'objet ne se rappelle à moi que lorsque la lecture est entravée ou interrompue. Fermé, le livre pèse de toute sa matérialité. Il peut être un objet contondant, voire une arme dangereuse, comme dans le lutrin de Boileau, où les chanoines de Notre-Dame de Paris se battent à coups d'in-folio et d'in-quarto dans la boutique du libraire Barbin, ou quand les méchants compagnons de Pinocchio lui lancent leur livre à la tête. Il alourdit nos cartables, nos valises, nos étagères, nos cartons de déménagement. On se met alors à voir le livre, à le sentir. On ne le lit plus. C'est la raison pour laquelle j'ai été tant frappée par l'assertion de Jean-François Gilmont qui ouvrait ma présentation « Le bibliographe regarde le livre, il ne le lit pas », qui me semblait procéder d'un déni inverse. Elle constitue en fait la reprise d'une déclaration provocante que l'on trouve diversement modulée sous la plume d'un des pères de la New Bibliography anglaise,
Sir Walter Gregg, dans plusieurs articles de propagande entre guillemets des années 1930, notamment dans un article publié dans The Library en 1932 et qui a fait date, qui figure donc un petit extrait figure en citation 2 et une amplification de 1933 en citation 3, que je traduis grossièrement. Ce qui intéresse le bibliographe, ce sont des morceaux de papier ou de parchemin couverts de signes écrits ou imprimés. Il l'intéresse simplement en tant que marque arbitraire. Leur signification n'est pas son affaire. Le terme de bibliographie, si décisif pour la chaire aujourd'hui intitulée « D'histoire du livre et de bibliographie », évoque d'abord aujourd'hui une liste structurée de références, celle par laquelle nous déclarons, dans un cours ou une recherche, le terreau livresque sur lequel s'est construit notre propos. C'est aussi la discipline qui s'attache à l'élaboration de tels répertoires, conçus comme des outils de recherche, et qui peut être à ce titre définie comme une technique d'orientation du lecteur dans la production imprimée et écrite. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le terme lorsqu'il apparaît en 1869 pour le cours assuré à l'École nationale des chartes par Anatole de Montaiglon, intitulé, comme le rappelait M. Léniaud, « Bibliographie et classement des bibliothèques et des archives », qui prend la suite du cours créé en 1847 sous l'intitulé « Le classement des archives et des bibliothèques publiques ». Ainsi, la bibliographie est-elle étroitement associée à la bibliothéconomie, mais aussi à la gestion de l'autre grand pan de ce que l'on appelle aujourd'hui le patrimoine écrit, à savoir les archives. L'une et l'autre feront l'objet de deux enseignements distincts au sein de l'école entre 1895 et 1933, avant d'être à nouveau réunis de 1933 à 1970. Mais alors que le cours assuré à partir de 1895 par Charles Mortet s'intitulait « Bibliographie et services aux bibliothèques », la chaire qu'occupe Henri Jean Martin à partir de 1970 s'intitule « Histoire du livre et bibliographie », reléguant la bibliographie en seconde place et instaurant une discipline non pas nouvelle. Charles Mortet consacrait une grande partie de ses cours à ce qu'il appelait lui-même l'histoire du livre, mais profondément renouvelée, sur laquelle je reviendrai dans un troisième temps. Il faut dire que le terme de bibliographie pose un double problème par rapport au livre. Tout d'abord, en tant que science des documents écrits, il est contesté pour sa trop grande proximité, marquée par l'étymologie, avec le livre, et donc concurrencé à partir des années 1950 par celui de recherche documentaire. Cette tendance ne peut qu'être renforcée aujourd'hui par la recomposition radicale de nos modes d'accès à l'information, qui semble condamner à l'obsolescence les logiques classificatoires antérieures. Le cours de bibliographie générale et spécialisée de première année ne peut faire abstraction de ces transformations, mais il invite aussi à la vigilance, en insistant d'une part sur tout ce qui n'est pas sur le web, mais aussi sur tout ce qui y est, mais qu'on ne trouve pas, faute d'indexation. Ainsi, le cours de bibliographie est-il pensé en étroite corrélation avec les cours d'histoire des bibliothèques de deuxième et quatrième année, puisqu'il faut inventer, à l'ère numérique, de nouvelles techniques d'orientation du lecteur, notamment par un travail minutieux sur les métadonnées. Mais je reviens à la bibliographie. Le terme peut être entendu aussi dans le sens à la fois plus large et plus restreint de science du livre ou science des livres, certains lui préférant alors le terme de bibliologie, acception que nous avons perdue en France, mais qui perdure en anglais. La bibliographie se décline alors en différentes branches qui entretiennent des relations étroites les unes avec les autres. Je vous renvoie à la citation 4 de l'exemplier, que je ne commente pas. Parmi ces branches, il faut réserver une mention particulière à ce qu'on appelle la bibliographie matérielle, qui peut être définie comme un moyen d'enquête quant à la fabrication des livres, enquête qui s'appuie essentiellement sur les objets qui en subsistent, à savoir les livres eux-mêmes. Je dois préciser d'emblée, car l'information a son importance pour mon propos, que « livre » doit être entendu ici au sens d'exemplaire. Autrement dit, le livre dans son unité individuelle et concrète, objet physique que je tiens dans la main, et qui, a priori, appartient à une série d'objets physiques identiques, qui est l'édition. Équivalent pour le livre imprimé à ce qu'est la codicologie pour le livre manuscrit, la bibliographie matérielle pourrait gagner à être appelée, selon la suggestion de Jean-François Gilmont, « archéologie du livre imprimé », dans la mesure où l'archéologie, je parle sous le contrôle de mon collègue Nathan Schlanger, a pour objet l'étude des civilisations humaines passées à partir des monuments et objets qui en subsistent.
La bibliographie matérielle fait l'objet d'un important cours de première année, conçu comme une propédeutique au cours de deuxième année dédiée à l'histoire du livre. Je me garderai toutefois de faire de cette archéologie du livre une science auxiliaire de l'histoire du livre. La bibliographie matérielle est une discipline fondamentale, aussi bien pour les historiens que pour les littéraires, raison pour laquelle l'affirmation de Barthes comme celle de Greg pose question. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de définir un nouveau champ disciplinaire qui, pour conquérir son autonomie, procède par dissociation. Or, c'est précisément cette dissociation que je voudrais interroger. Elle est indéniablement encouragée par l'organisation des études en France. Les études littéraires, préoccupées des contenus plus que des contenants, semblent postuler une intangibilité du texte, entité immatérielle dont l'existence transcende les contingences matérielles. La Chartreuse de Parme, que je la lise en Pléiade ou en livre de poche, reste la Chartreuse de Parme. Et si, comme dans Fahrenheit 451, on brûle les livres, les textes peuvent survivre dans la mémoire de ceux qui les ont appris par cœur. Cette belle utopie implique que le texte peut n'être effectivement que langage. Mais, en historien du livre, Henri-Jean Martin explique cette situation par le fait que l'université française s'est reconstituée pratiquement sans bibliothèque après la rupture de la Révolution française, ce qui l'a conduite, affirme-t-il, dans un sens avant tout rhétorique. À la différence de l'Angleterre, où la bibliographie matérielle a constitué pendant longtemps une matière obligatoire pour les études littéraires. Où l'on constate que les chemins suivis par la pensée sont tributaires de contingences matérielles inattendues. Barthes aurait-il élaboré sa théorie du texte si les BU françaises avaient eu de plus riches fonds patrimoniaux? C'est sans doute céder à un déterminisme excessif. D'ailleurs, dès 1970, Wallace Kirsop et Roger Laufer avaient tenté d'alerter les universitaires français. Le court essai de Wallace Kirsop, dont le titre même « Bibliographie matérielle et critique textuelle pour une collaboration » est explicite, se veut un plaidoyer en faveur, je le cite, d'une science auxiliaire assez négligée dans l'étude des lettres françaises, à savoir donc la bibliographie matérielle. Roger Laufer, pour sa part, appelle textologie, d'un terme emprunté aux langues slaves, la discipline qu'il entend défendre comme art d'éditer les textes, ce qu'il apparente à la philologie. Ce qui l'en distingue, c'est l'ouverture à la transformation de la culture liée aux moyens de communication de masse, petit clin d'œil à Christophe Gautier, et à la mise en question de la typographie et de l'écriture. Plaçant son livre sous le double patronage du formaliste russe Boris Tomachevski et de Ronald McKerrow, auteur en 1927 du premier manuel de bibliographie matérielle, il fait lui aussi de cette dernière la véritable science auxiliaire de la textologie. Je vous renvoie à la citation 5, que je ne puis malheureusement prendre le temps de lire, mais qu'il sera intéressant de mettre en regard d'autres citations à venir. Ces deux publications n'eurent aucun écho. De fait, le seul véritable enseignement de bibliographie matérielle en France, auquel assistèrent d'ailleurs Kirsop et Laufer, était assuré à cette époque par Jeanne Vérin-Forer, dont on ne saurait assez saluer le rôle pionnier pour les travaux actuels. Conservateur à la réserve de la BNF, elle intervenait dans le cadre du séminaire d'histoire et civilisation du livre, organisé à l'EPHE dès 1963 par Henri-Jean Martin, et le fascicule qu'elle distribuait pendant ses cours constitua pendant des années le seul véritable manuel de bibliographie matérielle disponible en français. Il y eut, au cours des années suivantes, d'autres tentatives pour faire connaître la bibliographie matérielle, mais c'est, me semble-t-il, à travers les travaux de Roger Chartier sur l'histoire de la lecture que les littéraires furent sensibilisés à des problématiques susceptibles de les conduire vers la bibliographie matérielle. Ainsi, l'un des enseignants de littérature de l'École normale supérieure, Jean-Charles Montferrand, pour ne pas le nommer, avait-il fait figurer, dans l'exemplier d'un cours dispensé en 1993, un extrait de la préface que Roger Chartier avait rédigée en ouverture des essais de Mackenzie rassemblés sous le titre de « La bibliographie et la sociologie des textes ». C'est la citation 6 que je vais lire. Un texte est toujours inscrit dans une matérialité. Celle de l'objet écrit qui le porte, celle de la voix qui le lit ou le récite, celle de la représentation qui le donne à entendre. Chacune de ces formes est organisée selon des structures propres qui jouent un rôle essentiel dans le processus de production du sens. Pour s'en tenir à l'écrit imprimé,
le format du livre, les dispositions de la mise en page, les modes de découpage du texte, les conventions typographiques, sont investis d'une fonction expressive et portent la construction de la signification. Organisés par une intention, celle de l'auteur ou de l'éditeur, ces dispositifs formels visent à contraindre la réception, à contrôler l'interprétation, à qualifier le texte. Structurant l'inconscient de la lecture ou de l'écoute, ils sont les supports du travail de l'interprétation. L'imposition comme l'appropriation du sens d'un texte sont donc dépendantes de formes matérielles dont les modalités et les agencements, longtemps tenus pour insignifiants, délimitent les compréhensions voulues ou possibles. Ce propos fut pour moi une révélation. Il n'aurait toutefois peut-être pas eu un retentissement si fort s'il n'était entré en résonance avec un autre texte, signé Gérard Genette, que l'on situe souvent dans le sillage de la nouvelle critique, et qui pourtant a su développer une démarche originale marquée par l'ouverture disciplinaire. Ainsi, dès 1972, dans Figure 3, il réfléchissait à l'articulation entre poétique, dont l'approche formaliste était perçue comme anhistorique, et histoire. Mais je veux retenir ici un extrait daté de 1987 et qui se trouve en ouverture d'un ouvrage dont le titre même est une promesse d'ouverture, Seuil. Donc c'est la citation 7. L'œuvre littéraire consiste, exhaustivement ou essentiellement, en un texte, c'est-à-dire, définition très minimale, en une suite plus ou moins longue d'énoncés verbaux, plus ou moins pourvus de signification. Mais ce texte se présente rarement à l'état nu, sans le renfort et l'accompagnement d'un certain nombre de productions, elles-mêmes verbales ou non, comme un nom d'auteur, une préface, des illustrations, dont on ne sait pas toujours si l'on doit ou non considérer qu'elles lui appartiennent, mais qui en tout cas l'entourent et le prolongent, précisément pour le présenter, au sens habituel de ce verbe, mais aussi en son sens le plus fort, pour le rendre présent, pour assurer sa présence au monde, sa réception et sa consommation, sous la forme, aujourd'hui du moins, d'un livre. Cet accompagnement, d'ampleur et d'allure variable, constitue ce que j'ai baptisé ailleurs le paratexte de l'œuvre. Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs et plus généralement au public. Œuvre, énoncé, signification. On mesure à l'emploi de ces termes combien la définition du texte y est différente de celle de Barthes. La suite de l'ouvrage montre que Genette a lu les travaux d'Henri Jean Martin, mais il entend proposer une étude synchronique et non diachronique, entendant définir des objets avant d'en étudier l'évolution, tout en appelant de ses voeux une histoire générale du paratexte qui reste à écrire. On sait quel profit les historiens du livre ont tiré de ce concept. Cette convergence difficile, particulièrement marquée en France, est évidemment liée à la double nature du livre, dont prennent acte, comme l'a noté Michel Jourde, un certain nombre de fictions qui, je le cite, « ont en commun de méditer sur la relation entre la littérature, la mémoire et l'histoire, et de fonder cette méditation sur le contraste entre la vie la plus matérielle des livres, impression, mise en vente, stockage, pilonnage, et les usages les plus intériorisés que les hommes en font, aussi bien quand ils les conçoivent ou les rêvent, que lorsqu'ils se rappellent ou s'imaginent les avoir lus. » Dans la famille de Paul Bourget, des volumes du théâtre de Shakespeare servaient à hausser la chaise de l'enfant quand le temps fut venu de quitter le siège de bébé. Le rat Firmin, auteur d'une autobiographie d'un grignoteur de livres, aîné, je le cite, a dormi et tété sur la carcasse effeuillée du chef-d'œuvre le moins lu au monde, à savoir Finnegan's Wake. Dans la bibliothèque désordonnée de feu Mathias Pascal de Pirandello, les livres nouent des amitiés un peu plus singulières, puisque du fait de l'humidité, la reliure d'un traité fort licencieux, de l'art d'aimer les femmes, s'est langoureusement collée à la biographie d'un saint bénédictin. Chez Swift, les livres de Dan Scott, aussitôt publiés, s'empressent de rendre visite à ceux d'Aristote pour déloger Platon de la place qu'il occupait. De façon plus décisive, la triste destinée matérielle promise aux livres, sa fragilité d'objet soumis aux contingences, est souvent mise en regard de la promesse d'éternité glorieuse qu'est censée assurer la réalisation d'une œuvre littéraire. À la Renaissance, Ronsard a parmi les premiers explicitement associé un projet littéraire visant la gloire et la maîtrise de la publication imprimée. Il prétend édifier une œuvre qui, je le cite, « écrite d'une plume de fer sur un papier d'acier, résistera au temps ».
Or, ses adversaires protestants promettent un tout autre destin à son œuvre, dont les pages déchirées finiront, disent-ils, en cornets à épices. On reconnaît dans cette image une adaptation moderne des prophéties adressées par les poètes latins Catulle ou Martial à leur livre, à qui il est annoncé qu'ils finiront en nourrissant les mythes ou en enveloppant un poisson, quand ils ne servent pas à un plus vil office encore. Dans le quart livre de Rabelais, alors que Panurge se retrouve constipé pour avoir lu un seul chapitre des Décrétales, frère Jean s'en sert à son grand dame de torche-cul, et un apothicaire mal inspiré gâte toutes ses drogues en les empaquetant avec des feuillets des Décrétales. Ce trait est d'autant plus frappant que, à l'heure d'une dématérialisation qui entraîne, comme le rappelait Christophe Gautier, une contingence des supports, une fixation passagère et transitoire des textes, le livre numérique nous conduit à poser à nouveau frais la question qui a tant occupé les philosophes à la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'un livre? Et plus spécifiquement, quel rapport entretient-il avec le texte? Question suffisamment vaste pour que lui aient été consacrés des articles, des essais philosophiques, des ouvrages ou des séminaires comme celui de Roger Chartier au Collège de France. Prenons donc le temps, avant de proposer des réponses, de mesurer la profondeur de la question. On perçoit, même intuitivement, que le mot « livre » ne désigne pas exactement la même chose selon qu'un titre nous annonce l'apparition du livre ou désigne le manuel de l'amateur de livres, selon que Marcel Benamou tente de justifier « pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres » ou que Pierre Bayard nous initie à l'art de parler des livres qu'on n'a pas lus. Ainsi, quand Dolé fut condamné à être pendu, puis son corps, je cite, « jeté et brûlé avec ses livres », à quoi faisaient référence les signataires de l'arrêt le condamnant? Au texte qu'il avait écrit, soit avant sa captivité, donc des livres imprimés dont il était l'auteur, des textes qu'il avait écrits au cours de sa captivité, donc encore manuscrits, mais alors peut-on vraiment parler de livres, de ceux dont il était l'imprimeur, de ceux qui se trouvaient dans sa bibliothèque? Cette question en appelle une autre. De même que le livre est un objet complexe, les modes de sa possession et de son appropriation sont eux aussi équivoques et bien différents selon que se place du point de vue de l'auteur, mes livres, ce sont les textes que j'ai écrits et publiés, ou du lecteur, mes livres, ce sont ceux dont je possède un exemplaire, objet physique. Les outils fournis par la rhétorique et la stylistique peuvent nous être utiles pour mieux penser ce qu'est le livre. Le livre est un terme générique qui sert le plus souvent de synecdoque, mais dont les espèces, recouvertes par le terme générique, ne sont pas les mêmes pour le littéraire, pour le bibliographe et pour l'historien du livre. Quand l'élève écrira dans son livre Les pensées, Pascal nous dit que, le professeur de français protestera en rouge que ce n'est pas la dénomination correcte, qu'il faut parler d'un roman, d'un essai, d'un recueil de nouvelles, d'une plaquette de poèmes. Quand une étude déploiera des statistiques et des graphiques fondés sur un nombre de livres, le bibliographe se demandera agacé s'il s'agit d'éditions, de tirages, d'exemplaires. Quant à l'historien du livre, il ne manquera pas de demander les mêmes précisions que le bibliographe, mais il gardera en outre à l'esprit que le livre a été tour à tour tablette d'argile, volumen de papyrus ou de parchemin, codex manuscrit puis imprimé, etc. Est-ce parce qu'il se trouve à la croisée de tant de regards, de tant de champs d'expertise, de tant de sens, que le livre se prête si facilement aux métamorphoses et aux métaphores? Il est possible que la question « qu'est-ce qu'un livre ?» reste finalement ouverte. Comme le disait Christian Seignobos, que cite Marc Bloch, il est très utile de se poser des questions, mais très dangereux d'y répondre. Les philosophes, en particulier Emmanuel Kant, dont les livres, je l'ai mentionné au début de mon intervention, tapissaient les murs du bureau paternel, se sont emparés de cette question à la fin du XVIIIe siècle. Kant établit une distinction décisive. Comme produit matériel de l'art, opus mechanicum, le livre est l'objet d'un droit réel, au sens de droit sur une chose, qui en autorise un usage privé, partagé par tous ceux qui sont en possession de cette même chose, ainsi les acheteurs des différents exemplaires d'une même édition. Mais le livre est aussi un discours, opéra, et l'objet d'un droit personnel qui relève d'une propriété incorporelle, unique, exclusive et inaliénable. Or, cette distinction, en donnant un fondement au droit d'auteur, inscrit à nouveau le livre dans une dualité déjà maintes fois évoquée, mais aussi dans le champ social.
car cette dualité entraîne un dédoublement supplémentaire. Du côté de l'auteur, comme le souligne Marcel Benamou, il y a une distance infinie entre l'acte individuel d'écrire et le fait social de faire des livres. Du côté du lecteur ou de l'acheteur, lesquels peuvent se confondre ou non, les usages des livres peuvent être extrêmement variés, comme en témoigne de façon particulièrement révélatrice ce qui s'est joué à l'égard des livres anciens au cours des XVIIe et surtout XVIIIe siècles. L'usage traditionnel du livre, c'est celui que décrit en 1627 Gabriel Naudet dans son avis pour dresser une bibliothèque, que des générations de bibliothécaires ont tenu comme l'un de leurs textes fondateurs. S'adressant au président d'eux-mêmes, dont il est le bibliothécaire, il prône, c'est sa principale originalité, une bibliothèque universelle, c'est-à-dire la plus large possible, et ouverte au public. Son modèle est celui des grandes bibliothèques privées de tradition humaniste, que Jean Viardot assimile à la grande bibliothèque Robin, par laquelle la bourgeoisie a fait de la culture un élément déterminant de son identité face à l'aristocratie, conférant au livre, à la bibliothèque, la fonction symbolique de manifester son prestige. Toutefois, ce modèle de bibliothèque reste une bibliothèque fondée sur la valeur d'usage des livres. Des livres dont la valeur intellectuelle est reconnue, que le propriétaire lira ou prêtera, et d'où le luxe doit être banni. Des relures en basane suffiront, dit Naudet, qui en profite pour dénoncer d'autres livres qui sont, je cite, « lavés, dorés, réglés et enrichis avec toutes sortes de milliardises, de luxe ou superfluité ». C'est qu'à cette époque s'élabore un autre usage possible du livre, à la faveur d'une conversion du regard, c'est la citation, je ne sais plus quel numéro, de Jean Viardot. À un moment donné, certains livres se trouvent arrachés par des groupes sociaux définis à l'usage primaire et naïf visant l'utilité, et se trouvent alors transportés du champ érudit dans de nouveaux champs, ceux du luxe, de l'art et de la curiosité, où ils font l'objet de pratiques et de traitements inédits. Jusqu'alors perçus sous la catégorie de l'utile, ils le seront désormais sous celle du rare et du curieux. À l'instar des objets de la vie quotidienne entrés au musée, ces livres dont le statut s'est modifié ne trouvent d'ailleurs pas place dans la bibliothèque, mais dans le cabinet choisi d'objets rares et curieux, lequel est présenté par ses adversaires comme l'envers féminin, voire efféminé, de la bibliothèque Robin. On s'y attache aux superfluités, donc, telles que la nature, la grandeur, la force ou la couleur du support, papier ou du parchemin, la nature et la nuance du matériau de couvrure, la facture et le décor de la reliure, les interventions diverses sur l'objet, lavage, réglure, enluminure, truffage, etc. Le curieux n'est pas nécessairement illettré, mais il a opéré une scission, dont témoigne Diderot, évoquant le collectionneur Randon de Boissé, c'est un passage très connu de sa lettre sur le commerce de librairie. Il est instruit, il aime les sciences, les lettres et les arts. Sa bibliothèque est double. L'une des plus belles éditions qu'il respecte au point de ne jamais les ouvrir. Il lui suffit de les avoir ou de les montrer. L'autre, d'éditions communes qu'il lit, qu'il prête et qu'on fatigue tant qu'on veut. D'un côté donc, le livre comme objet précieux, susceptible d'ostentation, mais point ouvert. De l'autre, le livre que l'on peut maltraiter parce que son support, anodin, ne fait pas obstacle à l'accès au texte. Guillaume-François de Bure, auteur en 1763-1768 d'une bibliographie instructive ou traité de la connaissance des livres rares et singuliers, prenait acte lui aussi de ce dédoublement. Dans son discours préliminaire, il distingue la connaissance des livres par rapport à l'homme de lettres d'une part et par rapport à l'amateur et au curieux d'autre part. Sur le livre, l'expertise du premier est d'ordre philologique. L'autre domaine d'expertise, qui n'est, je cite, purement que typographique, fait à proprement parler la science d'un libraire. Elle aura pour critère principal la rareté, entendue dans un double sens, la rareté objective d'une part, déterminée par le nombre restreint d'exemplaires, quels que soient les caractères intrinsèques ou le mérite particulier du livre, mais d'autre part, la qualité de rareté est en quelque sorte une propriété conférée, car ne sera véritablement rare qu'un livre considéré comme tel, et à ce titre recherché. Même si, dans ce deuxième sens, la qualité de rareté peut, plus subtilement, être le résultat d'une combinaison de qualités particulières dont la présence et la pondération rendent le livre objet de convoitise et d'attention, je cite Yann Sordet,
on se rend compte que, quel que soit l'angle retenu, on se heurte au regard dissocié qu'entraîne toujours la double nature du livre. Je pourrais résumer le problème en plagiant un propos de Pascal Quignard, qui ne parle pas du livre, mais dont la parfaite symétrie inversée forme une sentence bien frappée. Quand l'un est visible, l'autre n'est pas lu. Quand l'un est lisible, l'autre n'est pas vu. Un bibliophile peut faire le choix de collectionner les différents exemplaires d'une même édition. Option surprenante si chaque exemplaire est strictement identique aux autres exemplaires issus du même tirage. Quel que soit l'intérêt du texte, il n'y a pas de raison a priori de l'acquérir en double. Mais chaque livre ancien ayant traversé plusieurs siècles d'histoire depuis sa sortie de l'atelier, chaque exemplaire se singularise par sa reliure, ses éventuelles marques de provenance et d'autres marques d'usage comme les annotations par exemple. Ainsi, Folger, ce milliardaire du pétrole mort en 1930 et sa femme, privilégiaient-ils les pièces de Shakespeare dont ils acquirent plusieurs exemplaires d'éditions plus ou moins rares, de conditions et de provenances diverses. Le First Folio de 1623 en particulier, remis à l'honneur par la découverte récente d'un exemplaire à la bibliothèque de Saint-Omer, fut collectionné à hauteur de 82 exemplaires. Shakespeare retenait alors l'attention des bibliographes anglais, confrontés à l'absence de manuscrits et de multiples éditions fautives de ses œuvres, qui rendaient extrêmement délicat l'établissement du texte. C'est ainsi qu'a pu se constituer la bibliographie matérielle, la fondation de la Folger Library, contribuant au nouvel essor de la discipline aux États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il est impossible, dans le temps qui m'est imparti, de rappeler la richesse des recherches et des découvertes faites grâce au travail sur le corpus shakespearien, selon des méthodes d'abord forgées sur les incunables. Je n'insisterai que sur un point. Les chercheurs anglais et américains ont, les uns et les autres, bénéficié du rassemblement en un même lieu de nombreux exemplaires d'une même édition, ce qui a permis des comparaisons que rend souvent impossible la dispersion des exemplaires. Ils ont pu démontrer qu'il n'y a effectivement pas de double en livre ancien, en attirant l'attention sur les différences d'état qui existent entre les exemplaires d'une même édition, du fait notamment des corrections sous presse. Chaque feuille imprimée, qui sera ensuite pliée pour former un cahier, peut faire l'objet de corrections en cours d'impression. Mais le papier étant cher, on ne jette pas les feuilles déjà imprimées, même si elles sont fautives, et elles seront assemblées à d'autres feuilles, elles-mêmes corrigées ou non. Un simple exemple, dans l'Institution du Prince de Guillaume Budet, une édition de 1547, on lit dans certains exemplaires les moyens de Saint-Denis, ce qui est étrange, et dans d'autres exemplaires, on comprend qu'il s'agit des moines de Saint-Denis. Il y a donc une différence fondamentale à établir entre édition et exemplaire. Non seulement un livre est en tant qu'édition à la fois la somme de ses exemplaires et quelque chose qui les dépasse, mais pour le livre ancien, la notice bibliographique devra s'élaborer à partir d'exemplaires singuliers, lesquels peuvent présenter des spécificités ou des incomplétudes. Ainsi, le relevé de signature, qui permet de vérifier si les cahiers et les feuillets qui les composent sont au complet et dans l'ordre, peut-il être différent d'un exemplaire à l'autre simplement parce que le relieur aura commis une erreur au moment de les rassembler. Cela conduit à poser la question de l'exemplaire idéal, sans doute aussi inaccessible que le texte original visé par les philologues. Je vous renvoie à la citation de Bowers traduite par Dominique Vary dans l'exemplier. Ces recherches qui visaient l'établissement du texte impliquaient de reconstituer aussi la façon dont s'organisait le travail au sein des ateliers d'imprimerie. Or, les bibliographes avaient peut-être surestimé ce que l'on pouvait inférer des livres eux-mêmes. La thèse de Mackenzie, consacrée aux presses universitaires de Cambridge au XVIIe siècle, a conduit à corriger un certain nombre de leurs conclusions à la lumière des archives. On perçoit bien à cet égard comment l'approche de Mackenzie a permis de faire la jonction avec ce qu'on appelle l'histoire du livre à la française, qui s'appuie davantage sur les archives, comme en témoigne de façon exemplaire la thèse d'École des Chartes d'Annie Charron, mais qui s'intéresse aussi aux formes matérielles du texte, du point de vue de leurs implications culturelles, des significations qu'y mettent les auteurs, les imprimeurs et les lecteurs. Ainsi, le continuum bibliographique conduit-il de la bibliographie matérielle à l'édition critique, à la constitution de bibliographies descriptives précises
qui seuls permettront d'établir une histoire sur des bases solides, laquelle histoire doit se fonder sur d'autres documents qui corrigent parfois les conclusions tirées de l'examen des livres. Avant d'interroger pour finir l'histoire du livre, je voudrais observer une nouvelle pause. Les exemples que j'ai convoqués et qui creusent jusqu'à ses dernières conséquences l'articulation à la fois nécessaire et extrêmement complexe entre le texte et son incarnation dans un objet physique, nous aident d'abord à comprendre que l'histoire d'un livre n'est pas seulement celle que porte le texte, ni non plus celle de son texte, mais que l'objet même nous dit quelque chose de son histoire en tant qu'objet, et que par ailleurs, d'autres documents pourront compléter cette histoire, laquelle à son tour n'est pas une, mais plurielle, selon le champ dans lequel elle s'inscrit. Autrement dit, malgré l'affirmation d'unicité que recèle l'expression d'histoire du livre, elle a toujours affaire à la pluralité, à la dissociation, au clivage, y compris dans le récit de ses propres origines. Prenons l'histoire d'un livre singulier, au hasard, l'apparition du livre, sur lequel je vais m'attarder un peu longuement. Il ne s'agit pas pour moi d'en retracer l'histoire, mais d'examiner ce que m'en dit le livre lui-même pour tenter de la reconstituer. J'avais l'intention d'en proposer dans un premier temps une archéologie matérielle, mais n'ayant pu, faute de temps, en consulter l'édition originale, je renonce à commenter ce que Genette appelle le péritexte éditorial, c'est-à-dire la partie du paratexte qui se trouve dans le même volume que le texte, mais qui dépend de l'éditeur, pour me concentrer sur les différents liminaires que l'on rencontre une fois le livre ouvert. La page de titre indique, outre les noms de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, ceux de Anne Bazanoff, Henri-Bernard Maître, Moshe Katan, Marie-Robert Guignard et Marcel Thomas, dont le rôle est précisé dans l'avant-propos, chacun ayant pris en charge des chapitres plus spécifiques sur le manuscrit, le livre hébraïque, le Moyen-Orient, les pays slaves. Cet avant-propos, dépourvu de titre, sans date, en italique et en très petit corps, saisit le lecteur ex abrupto. Je cite « Ce qui apparaît aux époques cruciales de l'histoire est comparable aux émergences dont parlent les biologistes et certains philosophes. Ainsi l'invention de l'écriture au troisième millénaire avant notre ère. Et n'est-ce pas une autre mutation que cette transformation du manuscrit en livre imprimé ? Ce texte, qu'il faudrait commenter en détail, est signé Paul Chalut, identifié par son titre de secrétaire général du Centre international de synthèse. Une note en bas de page légitime cette prise de parole en précisant, je cite, que cet ouvrage est le tome 49 de la bibliothèque de synthèse historique « L'évolution de l'humanité » fondée par Henri Bert et dirigée depuis sa mort par le Centre international de synthèse, dont il fut également le créateur. Sur la page suivante, une courte note liminaire d'Henri-Jean Martin, c'est la citation 10, dans un petit corps romain, raconte la genèse de ce livre à partir de 1953. L'histoire est connue, est confirmé par un ample épitexte, je continue à utiliser la terminologie de Genette, donc l'épitexte désigne tous les messages concernant le livre mais qui se situent au moins à l'origine à l'extérieur du livre. Donc cet épitexte est constitué notamment par les lettres de Lucien Febvre à Henri Bert et à Henri-Jean Martin. Mais l'histoire donc que raconte ici Henri-Jean Martin, que confirme l'épitexte, c'est aussi, selon la formule d'Henri-Irénée Maroux, le résultat de l'effort par lequel l'historien établit le rapport entre le passé qu'il évoque et le présent qui est le sien. On sait donc que l'écriture de l'histoire est aussi reconstruction, et cette note opère un glissement significatif. Rédigée en octobre 1957, elle entrecroise l'évocation d'un contrat noué autour du projet initialement voulu et contrôlé par Lucien Febvre. Il m'invita à, il fut convenu entre nous, il avait l'intention de. Et de l'autre côté, une déprise progressive du maître. Il put revoir, il ne put que les parcourir. Qui conduit à un transfert de responsabilité vers celui qui, en regard, assume de plus en plus nettement la mise en livre. Il était convenu que je lui remettrais, je lui confiais, je lui présentais, j'ai dû assumer sans lui. Je suis donc à peu près seul responsable. Surtout, ce qui était a priori appréhendé comme une note explicative change en fait de statut à la faveur de la dernière phrase et devient une dédicace in memoriam.
Alors qu'elle s'ouvrait sur le geste initial de Lucien Febvre, invitant le jeune chercheur à rédiger ce livre, elle se referme sur le jeune chercheur désormais auteur, dédiant à Lucien Febvre le présent livre. Ce geste modifie l'instance auctoriale. Si le nom de Lucien Febvre apparaît en couverture et en page de titre, c'est à titre d'hommage et non en tant qu'auteur du livre, entièrement rédigé par Henri-Jean Martin. Voilà qui nous ramène à notre question initiale. Quelle est la véritable nature du lien entre le texte et le livre ? Certes, Henri-Jean Martin a rédigé le texte de l'apparition du livre, il en a retravaillé la structure, mais le plan et le projet s'en enracinent dans une histoire qui le précède. Ce changement générique explique aussi l'ordre dans lequel apparaissent les liminaires. Si leur disposition avait été conforme à la chronologie de l'ouvrage, il aurait fallu placer la préface de Lucien Febvre, datée de 1953, avant la note dédicace d'Henri-Jean Martin, datée d'octobre 1957. Mais, insérée entre deux textes qui se répondent et qui nous racontent une autre histoire que celle que mettra en valeur l'épitexte à venir, cette note occupe une place stratégique et nous prévient d'emblée que la préface de Lucien Febvre parle en fait d'un autre livre, celui projeté par Lucien Febvre, d'un autre livre que celui, ce livre, le présent livre de la dédicace, que nous avons entre les mains. Ce qui confère à cette préface un statut très particulier dans la mesure où les préfaces sont généralement écrites après le texte qu'elles concernent. À travers l'avant-propos de Paul Chalut, le lecteur percevait déjà que ce livre avait en fait une pré-histoire. De fait, celle-ci est bien plus longue que ne le laisse penser la date de 1953. Elle a obéi à des logiques successives et différentes, subi des inflexions, et surtout, elle n'était à l'origine qu'une partie d'un plus vaste ensemble. En 1953, le projet de l'apparition du livre a plus de 40 ans. Henri Behr, fondateur en 1900 de la revue de synthèse historique, avait élaboré une collection, d'abord intitulée « La bibliothèque de synthèse historique », dont le plan en 100 volumes est établi en 1912, collection qui est devenue l'évolution de l'humanité. Cette collection, donc, dont le livre n'est qu'un élément parmi 100 autres, était conçue comme un tout organisé et structuré en 4 périodes chronologiques. Chaque titre devait traiter d'un moment d'évolution précis et définir ses objets d'étude en fonction de la problématique, en les replaçant au cœur d'une histoire dont ils sont le produit et qu'ils contribuent en retour à orienter et à façonner. Le livre devait faire la jonction entre la seconde section, Antiquité et Moyen-Âge, et la troisième, intitulée Modernité, et devait avoir comme pendant le journal. Il fut d'abord confié à Augustin Renaudet, bien connu des humanistes et des érasmiens, qui avait donné son accord dès 1914, mais y renonça avec soulagement 15 ans plus tard, en 1929, quand Lucien Febvre lui proposa de le reprendre. Finalement, le livre ne s'est écrit qu'à partir de 1953. De cette préhistoire, donc, témoigne aussi le titre, initialement choisi par Henri Behr et finalement maintenu, mais qui ne manque pas de poser question. Contesté par Renaudet qui le trouvait puéril, il pose effectivement problème. Apparition du livre. Le terme d'apparition, qui semble marquer un commencement absolu, est doublement discutable, que le livre soit entendu au sens restreint de livre imprimé. On pourrait alors à bon droit reprocher à cette vision son européocentrisme, les premiers livres imprimés à l'aide de caractères mobiles ayant été en Corée dès le XIVe siècle, ce que signalent pourtant les pages rédigées par Madame Guignard dans le livre lui-même, ou qu'il soit compris au sens large. Dans sa préface, alors qu'on aurait pu s'attendre à un commentaire justificatif du titre adopté, Febvre propose deux titres de substitution. Le livre agent et facteur de l'histoire, le livre au service de l'histoire. Or, ces deux titres assignent au livre une place bien différente de celle qu'il occupe dans l'apparition du livre. Loin de fonder une histoire du livre, les titres suggérés par Lucien Febvre interrogent le rôle qu'a joué le livre dans l'histoire et assument pleinement l'acception restreinte qu'il donne au livre, entendu comme livre imprimé, qu'il affuble même d'une majuscule. Il s'agit de montrer, je cite, « comment et pourquoi le livre est devenu très vite ce que le manuscrit n'était ni ne pouvait être ». Et il montre bien qu'il s'agit pour lui d'un moment dont il définit les termes,
les 300 premières années de son existence, ce qui est logique, puisque, je le cite, « fin d'une époque, début d'une époque. Une société d'élite va de plus en plus s'effacer devant une société de masse. L'industrie du livre. Tout cela qui va préparer et explique le triomphe du journal, ce plus nouveau venu encore, si caractéristique de la prise de l'imprimerie sur les hommes à la fin du XIXe et au cours du XXe siècle. L'une des plus importantes fonctions de la préface consistant en une interprétation du texte par son auteur, on mesure bien l'étrangeté de ce commentaire du livre tel qu'il aurait dû être selon Lucien Febvre, en ouverture d'un livre finalement écrit par un autre, et inscrit à ce titre dans une perspective différente. Ce qui a conduit Lucien Febvre à s'intéresser au livre, c'est d'abord la question de l'imprimerie, envisagée dans une perspective d'histoire sociale. Mais s'il décide de substituer le livre à l'imprimerie, c'est pour, je le cite, « ne pas refaire le Morté », celui de l'École des Chartes, auteur d'une histoire de l'imprimerie. Ne pas refaire un récit, ni reprendre, je le cite, les vieux débats sempiternels sur la priorité de tel pays sur tel autre. Flèche décochée contre l'école méthodique encore, et contre les histoires nationales ou nationalistes du livre. L'histoire du livre doit, à ses yeux, être intégrée à une histoire générale. Ce que Lucien Febvre semble ici promouvoir, c'est surtout la relecture de sources connues pour en faire une autre histoire. Le plan qu'il communique à Henri-Jean Martin en décembre 1953 prévoit une première partie intitulée « Cette chose qu'on appelle livre », au sein de laquelle figure un chapitre intitulé « Le livre, cette marchandise », et une seconde partie traitant de « L'action culturelle du livre », ensuite rebaptisée « Le livre se fermant ». Henri-Jean Martin, retiendra la structure duelle « Cette marchandise, se fermant ». Une lettre antérieure de Lucien Febvre, datée de mai 1953, indiquait cependant « Il faudrait examiner le livre en tant que marchandise, en tant que chef-d'œuvre, en tant que ferme. » Henri-Jean Martin hérite donc de ce projet, mais lui imprime sa marque singulière, en redessine les orientations, donne à ce que Lucien Febvre qualifiait de travail assez mélancolique, une impulsion nouvelle, ouvre des perspectives inédites. En choisissant de ne pas supprimer la préface, mais de prévenir la tentation d'en faire une clé de lecture par une note liminaire, Henri-Jean Martin a fait un choix élégant en maintenant dans le livre réel les traces d'un livre rêvé qui a probablement guidé aussi le livre réel. Le péritexte tardif, toujours jeunette, que constitue la postface de Frédéric Barbier, intitulé « Écrire l'apparition du livre », ajouté à la troisième édition de 1999, viendra compléter l'édifice, également étayé par un abondant épitexte. Outre les différents témoignages d'Henri-Jean Martin lui-même, l'année 2008, qui marquait le cinquantenaire de la publication de l'apparition, a été l'occasion de deux commémorations jumelles, organisées par deux disciples, dont je salue la présence ici, Frédéric Barbier, qui a succédé à Henri-Jean Martin à la chaire de l'EPHE, et Dominique Vary, professeur à l'ENSIB, qui avait pris le relais de l'École nationale des bibliothèques, où Henri-Jean Martin enseignait également. Les nombreux textes où Henri-Jean Martin revient sur sa démarche permettent, selon l'expression de Michel de Certeau, de joindre à la connaissance du passé l'itinéraire d'une démarche et de percevoir à quel point sa personnalité solaire a marqué l'histoire du livre, que ce soit à travers la richesse de son parcours et de ses réalisations, l'empereur des entreprises éditoriales qu'il a assumées ou coordonnées, les témoignages de ses élèves qui se qualifient volontiers de disciples du maître, l'empreinte durable qu'il a laissée dans les mémoires et dans le paysage institutionnel, mais aussi la fécondité de la recherche et de la réflexion qu'il a construite. Le livre est ainsi devenu l'objet central de l'enquête historique, à la fois désacralisé comme marchandise et resacralisé comme ferment, comme pouvoir, et c'est à la lumière d'analyses centrées sur le livre imprimé à l'époque moderne que nous pouvons aujourd'hui réfléchir aux autres formes de médiation, et ce de façon extrêmement féconde, comme en témoigne le réinvestissement des outils élaborés pour le médium qu'a été le livre dans l'analyse de l'univers multimédia. Mais le dédoublement de la chaire et l'investissement progressif dans d'autres objets pour la période post-révolutionnaire, histoire du livre et médias contemporains, chantiers qui se sont ouverts avec Elisabeth Parinet et poursuivis avec Christophe Gauthier à l'image fixe et animée, en particulier au cinéma, ce dédoublement manifeste bien que la place et le statut du livre au sein de la société ne sont aujourd'hui plus les mêmes.
Ce constat oblige à reconsidérer le livre objet équivoque qui, entre tous, invite à penser la complexité. Ce que j'ai essayé de vous montrer au cours de cet exposé, de ce cours, ce sont les miroitements incessants des facettes du livre qui le rendent si difficile à appréhender, et de ce fait, la part d'imaginaire qui ne cesse de s'y investir, à travers la faille si difficile à cerner où se joue la relation entre texte et livre. Ainsi, le livre a-t-il souvent servi de métaphore ? Outre le livre du monde, on peut se souvenir des archéologues voulant lire le sol comme un livre. Mais le terme est alors souvent employé comme synonyme de texte, et les essais de Mackenzie en marquent la claire conscience, en s'intitulant sous le titre « Bibliographie et sociologie des textes », donc il y a trois essais, « Le livre comme fonction expressive »,« La fiole brisée, les textes qui ne sont pas des livres » et « Dialectique de la bibliographie aujourd'hui ». Je ne sais pas si j'intitulerai cette recherche « Archéologie du livre » au sens foucaldien cette fois, mais il serait intéressant de creuser la nature exacte du lien que tout le monde établit entre le texte et le livre, et qui n'est de loin pas toujours le même. À ce titre, le vocabulaire de l'incarnation, si souvent utilisé à ce propos, pourrait être mis en perspective, par exemple à l'aide des analyses esquissées par Michel Melot sur les scènes d'Annonciation, où contre toute véridicité historique, le livre entre les mains de la Vierge, dont l'archange Gabriel interrompt la lecture, n'est pas un volumen, mais un codex. Étroitement lié à cette dernière, on rencontre une autre métaphore, celle de la filiation, que les humanistes ont entretenue à loisir à travers la paronomase libri-libéri. De là, les multiples adresses au livre, ou congés donnés au livre, vade libère, selon des modalités diverses que nous avions commencé à étudier sous la houlette de Michel Jourde et Michel Galli. Dans cette perspective, il faudrait étudier de près la posture de Montaigne à l'égard de ce qu'il appelle, à partir de 1588, « mon livre », avec lequel il construit une relation, non pas de père à fils, mais de consubstantialité. Et l'expression « mon livre » n'apparaît qu'à partir de 1588, une fois qu'il a été imprimé. Le livre, objet mouvant, toujours glissant dans l'histoire de l'édition française, selon qu'il est pris dans tel ou tel réseau synecdochique. Une des difficultés tient peut-être à la réduction constante et souvent inconsciente du livre entendu au sens large, unitaire malgré ses métamorphoses, au livre imprimé et triomphant du XVe au XVIIIe siècle. Ce livre, dont l'invention a été, je cite Lucien Febvre, tout autre chose qu'une réalisation technique commode et d'une ingénieuse simplicité, la mise au point d'un des instruments les plus puissants dont ait pu disposer la civilisation d'Occident. Instrument puissant dont nous donne une idée la vidéo intitulée « Book, la révolution technologique », savoureuse parodie de la présentation du MacBook par Steve Jobs, réalisée par des libraires espagnols. On pourrait donc jouer sur les variations qu'entraînerait le passage du défini à l'indéfini, du singulier au pluriel, ce que j'ai tenté d'esquisser par le titre adopté. Ainsi, François-Xavier Lerre, chargé de créer le cours de bibliographie entendu au sens large au sein des écoles centrales en l'ancêtre de la République, évoquait-il l'histoire des livres, qui, tablettes d'argile, volumen, livre oriental, codex manuscrit médiéval, imprimé moderne, imprimé contemporain, livre numérique, implique des analyses spécifiques qui n'excluent pas une approche comparative. Cette tentation est contrebalancée par le choix, réaffirmé par Henri-Jean Martin, de voir le livre de manière globale et dans toutes ses dimensions, techniques, économiques, financières, sociales, intellectuelles et culturelles, symboliques, artistiques et matérielles. Frédéric Le Barbier le rappelle dans sa postface à la troisième édition, mais il suggère une autre pluralité en encadrant la perspective d'une histoire globale du livre défendue par Henri-Jean Martin par d'autres manières de faire cette histoire. Avant l'apparition, il y eut l'histoire des savants, celle des politiques et celle des marchands. Après l'apparition, il discerne plusieurs lignes de force qu'il présente sous l'intertitre « Histoire au pluriel du livre ». C'est un choix que valide en creux une déclaration d'Henri-Jean Martin à propos de l'histoire de l'édition française, ce grand œuvre qu'il coordonna avec Roger Chartier. « Cette histoire de l'édition, dit-il, n'est nullement une histoire du livre au sens où nous l'entendons aujourd'hui. » Ce qui y fait défaut à ses yeux, c'est qu'elle ne prend pas en compte la morphologie historique du livre qu'il examine dans la naissance du livre moderne et qui, comme le suggère Jean-Marc Châtelain, fait échapper le livre à la transitivité au profit du livre en soi, écho peut-être du chef-d'œuvre qu'évoquait Lucien Febvre. C'est donc à de multiples titres que le livre a sa place dans les enseignements de l'École nationale des chartes.
elle vise la formation de conservateurs de bibliothèques, qui, dans l'exercice de leurs responsabilités et de leurs missions de service public, mettront en œuvre différents traitements à l'égard du livre. Ils devront composer avec des impératifs politiques et économiques, faire face aux exigences a priori contradictoires de la conservation et de la communication, réfléchir à l'articulation entre patrimoine et lecture publique, construire les outils et les infrastructures permettant de ménager l'accès du public au livre, et ce, dans un environnement redéfini par la dématérialisation. En regard de l'apprentissage des réalités professionnelles du métier, le temps de formation et de recherche est idoine pour mesurer l'extrême complexité de cette chose qu'on appelle livre. Deuxième point, l'étude des sources écrites est depuis l'origine au cœur des missions de l'école. En tant que document écrit, le livre peut être appréhendé en mobilisant des outils communs ou calqués sur ceux de la diplomatique, de la codicologie, de la philologie, de la paléographie. Mais il implique aussi la mise en jeu d'un savoir spécifique. Il ne peut y avoir de bibliographie, de catalographie, d'histoire du livre, d'histoire littéraire, d'édition critique, sans une claire connaissance, ou du moins la conscience qu'il faudrait l'avoir, de la façon dont a été fabriqué l'objet qui témoigne d'une édition. Ainsi se trouve revivifié le sens large du mot bibliographie que rappelait en 1963 Louise Noël Malclès dans son manuel de bibliographie. C'est la citation 13 que je passe pour arriver à la conclusion. Dernier point avant la conclusion, l'histoire du livre a joué un rôle décisif en réussissant, pour reprendre des formules de Pascal Horry, l'improbable greffe à l'École nationale des chartes de l'École des annales et entraînant une extension du domaine de l'archive. Elle a contribué à faire du livre un champ de recherche infiniment riche, à l'articulation, au temps de l'ère du soupçon, du document et du document monument. Il reste beaucoup à faire et je vois avec joie de jeunes chercheurs s'emparer avec gourmandise des pistes ouvertes par mes prédécesseurs et en inventer de nouvelles. Je pourrais évoquer pêle-mêle la vitalité des recherches en typographie, les enquêtes qui restent à mener sur les papiers d'imprimerie ou dans les archives, les espoirs peut-être excessifs placés dans les défaits de reliure, les extraordinaires progrès que permettent les reconstitutions virtuelles de bibliothèques, la richesse des réflexions sur nos modes de classement et de catalogage, dont témoigne exemplairement le récent catalogue d'exposition de l'Argile au Nuage. Je ne poursuis pas sur les pistes que je voulais dessiner et qui se resserraient un peu. Je vais conclure. Conclure sur des repentirs, très courts, et un engagement. Les repentirs sont multiples. La masse de ce que je voulais dire et de ce que je n'ai finalement pas pu dire est considérable. Mais je n'en mentionnerai que deux. Premièrement, une publicité mensongère. L'image qui ornait la présentation de cette conférence est issu d'un manuscrit offert au roi François Ier par Budé vers 1519, manuscrit qui contient la première version de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le titre d'Institution du Prince. Je l'avais choisi d'une part parce qu'elle mettait en scène un livre dont le cheminement semblait limpide, de la main de l'auteur à celle du lecteur. Et d'autre part, parce que le travail d'édition critique en cours aurait permis de démontrer à quel point il n'en était rien. Il serait d'ailleurs possible de construire un cours entier de bibliographie matérielle sur ce seul exemple. Mais des articles et l'édition à venir me permettront d'en parler. Un autre sous-texte disparu, c'est celui de Julien Gracq. Je l'ai préparé ainsi, placer mon cours inaugural sous le signe d'une citation magnifique qui, au lieu d'accompagner mon cours, la conclura, ou presque. Je cite. Il est question de l'écrivain. Et voici qu'il se prend à considérer avec un vague sentiment de malaise cette alluvion énigmatique blutée par les siècles, qu'il sait de naissance être la littérature, et qui repose sur ses étagères en petits blocs duveteux de poussière, couleur de limon séché, par où il nous signifie qu'ils ont été apportés par un déluge, car elle coule ferme, la littérature, et qu'ils sont là parce qu'entre tous, ils fertilisent. Mais est-ce si sûr ? La mort ne fait pas grâce pour toujours. Il y a des volumes qui sont tièdes encore sous les doigts, comme une chair recrue d'amour, comme si le sang battait sous la peau fine. Et aussi, chaque nuit, dans le silence des grandes bibliothèques, il y a un livre glorieux, dont vacille dans le noir, et s'éteint pour toujours la petite lumière, mais sans qu'on le sache encore,
comme nous parvient après des siècles la nouvelle de l'extinction d'une étoile. Il a été dit dans une émission récente que les chartistes étaient des allumeurs de réverbères. Peut-être, sans doute, peuvent-ils être aussi des réveilleurs d'étoiles. Pour cela, qu'ils choisissent ou non de faire du livre leur champ de recherche, ils doivent rassembler une somme de qualités et de compétences dont Marc Bloch faisait mesurer l'ampleur. Il faut donc apprendre, c'est la citation 15, il faut donc apprendre à substituer à la multiplicité des compétences chez un même homme une alliance des techniques pratiquées par des érudits différents, ce qui se combine chez Daniel Roche avec une autre exigence, entretenir un dialogue, même implicite, avec ceux qui nous précèdent et ceux qui nous suivent. Au-delà des objectifs scientifiques qu'on est en droit d'attendre que je me fixe, je souhaite être en mesure de contribuer à l'instauration de ces alliances et de cette transmission, si chère au cœur de mes parents, si fondamentale quant au réfléchi au patrimoine, si précieuse en ces temps obscurs. De même que Jean de Tourne a pu vouloir témoigner à travers ses préfaces de son art de la conjoncture qui consiste, dit Michel Jourde, à imaginer comment peuvent s'agencer en un livre, en un catalogue, des compétences et intentions diverses. De même, j'ai la chance d'avoir pu partager, dans des lieux pluridisciplinaires, tels que l'École normale supérieure et en particulier le séminaire de Michel Jourde, Michel Galli et Jean-Charles Monferrand, au Centre d'études supérieures de la Renaissance, dans les journées Biblion et désormais à l'École nationale des chartes, des aventures intellectuelles où s'agencer des compétences et intentions diverses. Et si je tenais à remercier, en ouverture de ce cours, le comité scientifique qui m'a fait l'honneur de m'élire à cette chaire, je veux aussi remercier tous ceux qui, au CESR pendant 10 ans, et auparavant à l'Université Paris 12, à l'École normale supérieure, en classe préparatoire, au lycée, au collège, à la maison, ont su, avec générosité et simplicité, transmettre ce qu'ils avaient reçu, partager leurs compétences et leurs savoirs, les faire circuler, pérennisant quelque chose de l'idéal de la République des lettres que je retrouve en ces murs. Puissions-nous écrire ensemble des pages capables de bercer les morts et d'apaiser les vivants.